Examinateur, c'est pour un métier. Hein. Tous les candidats veulent leur permis de conduire, bien sûr, mais ils ne prennent pas le temps ni la peine d'apprendre leur code de la route. Avec moi, pas de passe droit. Hein. Bon, allez, allons-y. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Bien, monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas? Vous croisez une route départementale dont la largeur est le double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le trajet inverse à celui inscrit sur le panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous? Bon, ben écoutez, si vous ne savez pas où vous êtes recalé, hein, vous reviendrez dans 3 mois. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Suivant. Candidat suivant. Suivant. Peut-être le temps de prendre un petit remontant à l'examen, non? Bien sûr, monsieur. Entre nous, on va peut-être pas trop jouer avec l'homme. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça va, sauf un peu les genoux. Eh ben oui, ben c'est une petite voiture. Oui, mais j'ai des gros genoux, alors ça me gêne un peu les genoux. La prochaine fois, on prendra un autocar. Ben, y a intérêt, parce que je changerai pas mes genoux. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne démarre pas, que faites-vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ben, vous feriez bien le savoir, vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, qu'est-ce que vous faites? Ben, je descends. Ah oui, ben, ça vite. Non, je descends. Je vous fous un grand coup de pont dans cette saloperie de bagnole. Je prends la clé à molette, j'ouvre le capot et je détruis le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Je suis pour du genre à me laisser emmerder par un tas de ferrailles. Et puis pas par autre chose non plus d'ailleurs. Oui, c'est clair. Bon, autre chose, monsieur. À présent, vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Et au passage, je roule sur le buffet. J'ouvre ma portière, je lui fous un grand coup de latte dans la gueule. C'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Autre chose, monsieur. Maintenant, vous êtes sur une route départementale. Non, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis que ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales. C'est plein de bouille, ça sent mauvais. Alors, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale. Non. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales à la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Ah, j'aime le farcir. Je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Est-ce que je vous en pose, moi, des questions? Hein? Est-ce que je vous en pose, moi? Est-ce que je vous demande, moi, si se passe ceci, si se passe cela? Est-ce que je vous oblige, moi, à aller sur une route départementale? Est-ce que je vous demande, moi, pourquoi vous avez une tête d'abruti? Et quand j'ai vu, ça fait un peu délire. Est-ce que je vous demande, moi, si vous me le donnez, ce permis, oui ou non? Merci.
réalité. Ah oui,